Bonjour, on va résoudre un exercice sur, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice est le suivant. Dans Z carré, considère l'équation E, 25U, 25U moins 66 est égal à 1. On va remplacer les arguments par U et V. On utilise l'algorithme de Gödel, demandant que 25 et 66 sont premiers entre eux. C'est-à-dire leur objectif est égal à 1, puis déterminer une solution particulière de E. Dans l'algorithme de Gödel, on a 66 qui est égal à 2 multiplié par 25 plus 16. 25 est égal à 16 multiplié par 1 plus 9. 16 est égal à 9 multiplié par 1 plus 7. 9 est égal à 7 multiplié par 1 plus 2. 7 est égal à 2 multiplié par 3 plus 1. Bon, on va calculer 1 ici. Donc, 1 est égal à 7 moins 2 multiplié par 3. Puis, 2 qui figure dans cette différence, on va la remplacer par 9 moins 7. On a 7 moins 9 moins 7 multiplié par 3. Qui est égal à 7 moins 9 multiplié par 3 plus 7 multiplié par 3 qui est égal à 7 plus 7 multiplié par 3 moins 9 multiplié par 3 qui est égal à 4 multiplié par 7 moins 9 multiplié par 3. Bon, 7 qui figure dans ce premier terme, on va la calculer ici, est égal à 16 moins 9. Donc, est égal 4 multiplié par 16 moins 9 moins 9 multiplié par 3 qui est égal à 4 multiplié par 16 moins 4 multiplié par 9 moins 9 multiplié par 3 qui est égal à 4 multiplié par 16, 4 multiplié par 16, moins 4 multiplié par 9, moins 9 multiplié par 3, c'est moins 7, multiplié par 9. Bon, 9 qui figure dans le deuxième terme, on va la calculer ici, c'est égal à 25 moins 6. On va remplacer 9 par 26 moins, par 25 moins 16. Donc il est égal à 4 multiplié par 76, multiplié par 16. Moins 7 multiplié par 9, c'est 25 moins 16. Qui est égal à 4 multiplié par 16 moins plus 7 multiplié par 16 moins 7 multiplié par 25 donc est égal 4 plus 7 c'est 11 multiplié par 16 moins 7 multiplié par 25, qui est égal. Bon, c'est ce qui figure dans le premier terme ici, on va remplacer par 66 moins 2 multiplié par 25. Donc 11 multiplié par 66 moins 2 multiplié par 25, moins 7 multiplié par 25. Qui est égal donc à 11 multiplié par 66, moins 22 multiplié par 25, moins 7 multiplié par 25, qui est égal donc à 11 multiplié par 66, moins
29 multiplié par 25. Donc, A est égal à 11 multiplié par 66 moins 29 multiplié par 25 qui est égal donc à 25 multiplié par moins 29 moins 16 multiplié par moins 11. Donc, 25 multiplié par moins 29 moins 66 multiplié par moins 11 est égal à 1. Bon, on peut vérifier sur les autres en calculant cette somme. Bon, nous avons 66 multiplié par 11, 6 plus 6, c'est 12, donc 2, 1, 726, 25 multiplié par 29, c'est 725. Bon, moins 66 multiplié par moins 11, c'est plus 726 moins 725 est égal à 1. Donc, bon, ici on va répondre à la question, oui, d'après le théorème, du biseau, on a 25 et 66 sont premiers entre eux. Bon. Bon. Alors, on va I. 29, pardon. Moins 29. Moins 11 est une solution. Particulière de. Voilà pour la première question. Voilà la deuxième question. Déterminer l'ensemble des solutions de E, vous pouvez vérifier que 37 et 37, le couple 37-14 est une solution de E. Bon. Déterminons l'ensemble des solutions de l'équation E. Bon, on a 25U moins 66V, pardon. V est égal à 1, c'est l'équation E, et on a le couple moins 29 moins 11 est une solution particulière de E. Bon, cela implique que 25U moins 66V moins 25 multiplié par moins 29 moins 66 multiplié par moins 11. Bon, pardon. Bon, 25 U moins 66 égal à 1. Ici la solution particulière. Donc il est égal à 1 aussi. 25 multiplié par moins 29 moins 66 multiplié par moins 11 est égal aussi à 1. 1 moins 1 est égal à 0. Donc cela implique que 25 U moins 25 multiplié par moins 29 moins 66 V plus 60 moins 11 est égal à 0. Bon, cela implique, on va factoriser par 25. 25 facteur du E moins moins 29, c'est plus 29, moins 67. On va vérifier par
Donc j'ai 366. Donc il me reste V plus 11 est égal à 0. Voilà. Cela implique que 25 facteur de U plus moins 29 est égal à 66 facteur de V plus 11. Cela implique que 25 divise 66 facteur de V plus 11. Et comme 25, 66 est égal à 1 d'après la question, alors d'après le théorème Van de Gauss, 25 divise V plus 11. Bon, cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z tel que 25K est égal à V plus 11. Cela implique que V est égal à 25K moins 11. Et comme 25 facteur de U plus 29 est égal à 66 facteur de V plus 11, alors on va remplacer V plus 11 par 25K ici. Donc on aura U plus 29, 65 multiplié par 25K. En simplifiant par 25, cela implique que U plus 29 est égal à 66K. Cela implique que U est égal à 66K moins 29. Donc, si U est sans solution de l'équation E, alors U doit être égal à 66K moins 29 et V est égal à 25K moins 11. Maintenant, inversement, bon, bien la réciproque, réciproquement. On a 25 U. On va remplacer bon, 66K moins 29 moins 66. On va remplacer V par. Bon, cette différence est égale à 25 multiplié par 66K moins 25 multiplié par 29 moins 66 multiplié par 25 plus 66 multiplié par 11. Et si c'est qu'il n'y a pas non, pardon. Donc 25 multiplié par 66K, 25 multiplié par 66K est égal à 0. 66 multiplié par 11 moins 25 multiplié par 29 est égal à 1. Donc, le couple 66K moins 29 V 25 moins 11 est une solution. Bon, je complète la solution de l'équation 1.
Voir dans le couple est une solution de l'inconscient. Alors, l'ensemble des solutions de l'inconscient S est égal à l'ensemble du couple de la forme 66 carré moins 25, moins 29, pardon, moins 29, V, 25 carré moins 11, avec appartenant à Z. Bon, voilà pour la première partie, maintenant on passe à la deuxième partie. Deuxième partie. Dans N, on considère la fonction f. Bon, dans N, on considère, pardon, on considère l'équation. F, x puissance 25 est congru à 3 modulo 37. Ah bon, 67, pardon, 67. La première question montre que 67 est premier, montrant que 66 est premier et le BGC de 66 c'est x est égal à, bon, avec x c'est pas bon, soit x est une solution, pardon, soit x est une solution de f. Bon, x est une solution de f dans cette question. Bon, on va montrer tout d'abord que 66 et 67 est premier. On a le nombre premier dans le nombre premier dans le carré et inférieur ou égal à 67 100. Bon, 2 3 5, 7, 8, 11 au carré est égal à 127. Bon, oui, et comme pendant 8,67 n'est pas divisible par ce nombre, par aucun de ces nombres, par aucun de ces nombres, alors 67 est premier. Voilà, on va montrer que le BGC des bons de x et 67 est égal à 1. Soit D est égal au BGC de X est 67. Donc,
délicieux pour le gras. Bon, cela implique du divise x et du divise 67. Alors, du divise x puissance 25 et du divise 67. Et comme x puissance 25 est congrue à ton angle de 67, car x est subsume de f, alors x, bon, d, pardon, alors d divise, divise 3. Deux divise 3. En effet, x puissance 25 est congrue à 3 modulo 67, cela implique qu'il existe un L appartenant à L appartenant pardon, à N, puisque l'équation est en 1, tel que x puissance 25 est congru à 3, est égal à 3 plus 67 L. Cela implique que 3 est égal à x puissance 25 moins 67L. Bon, comme x divise 25, x puissance 25, x divise 67, alors elle divise cette différence, donc elle divise 3. Et comme d, pardon, d divise x puissance 25, et du divise 67, donc il divise 60L, 67 se multiplie par L, cela implique que du divise x puissance 25 moins 67L, cela implique que du divise 3. Du divise 3, cela implique que du égale à plus ou moins 1 ou plus ou moins 3. Et comme D est supérieur ou égal à 1, alors, d est égal à plus, bon, à 1 ou 3. Si d est égal à 3, comme d divise 67, alors 3 divise 67, ceci est faux. Il faut, car 67 est premier. Donc, 3 ne divise pas 67. Il faut car 3 ne divise pas 67. Alors, d est différent de 3. Cela implique que d est égal à 1. D'où le BGCD de 67 de x est égal à 1. Et bon, deux montants que x puissance 66, 6, 2, montrant que x puissance 67 est congru à 1 modulo 67. Bon, voilà, x est premier avec 67, donc ne divise pas x. Et comme 67 est premier, donc d'après le théorème, de faire moi x puissance 60 moins 1 est congrue à 1 modulo 67,
sur la République, que expression 66, si je comprends, 1 ou 2, 67. Voilà pour la deuxième question. Maintenant, on passe à la troisième. Donc, la question 2, de vérifier que 37-14 est une solution 2. Bon, je vais la vérifier ici, pardon, vous demandez la deuxième, la troisième question. Bon, la partie 1, de suite, pardon, j'ai oublié de vérifier que le couple 37-14, bon, vérifions. Que le couple 37-14 est solution, est une solution de E. On a U, V, une solution de E est équivalent à U est égal. U est égal à 66K moins 11, pardon, moins 29, pardon, moins 29, U est égal, bon, 25K. Moins 11. Bon, pour K est égal à 1, on a U est égal 67 multiplié par 1 moins 29, qui est égal 67 moins 29 est égal à 37, et V est égal 25 multiplié par 1 moins 11 est égal à 25 moins 11, qui est égal à 14. Donc, le couple 37-14 est une solution de E. Est une solution de E. Bon, maintenant, on va continuer. Bon, pardon. La deuxième question. La partie de la deuxième question. Bon. Suite. Bon, la deuxième question. La troisième question montrant que x est congru à 3 modulo 37 à 3 puissance 37 modulo 67. X est solution de E, donc X puissance 25 est congru à 3 modulo 67. Bon, cela implique que X puissance 25 est de puissance 14 et que nous voulons 3 modulo 67. Cela implique que X puissance 25 multiplié par 14 est congru à 3 modulo 67.
aussi 14, j'ai oublié. J'ai oublié ici. Bon, d'après cette question, la deuxième question, on a, bon, comme x puissance 66, c'est le congru à modulo 67, cela implique que x puissance 66, puissance 37, bon, puissance, pardon, 37, bon, puissance, oui, puissance 14 est égal à 1 puissance 4 et congru à 1 puissance 14 au lieu de 67. Bon, cela implique que x puissance 67 multiplié par 14 et le congru 1 puissance 14 c'est 1 au lieu de 67. Cela implique. Bon. Comme bon, comme 25 multiplié par 37 moins 67 multiplié par 14 c'est égal à 1, cela implique que 67 multiplié par 14 est égal, bon, est égal, pardon, multiplié par 14 est égal à 25 multiplié par 37 moins 1. Donc, bon, on va remplacer 66 multiplié par 14 qui figure de cet exposant par 25 multiplié par 37 moins 1. Bon, cela implique que x puissance 25 multiplié par 37 moins 1 est convenu à 1 modulo 67. Cela implique et si on va multiplier les deux membres de ce congruence par x, donc cela implique que x puissance 25 multiplié par 37 moins 1 multiplié par x et le congru à 1 multiplié par x au lieu 67. Bon, cela implique x puissance 25 multiplié par 37 moins 1 plus 1. Bon, x puissance 25 multiplié par 37 moins 1 multiplié par x, si x puissance 25 multiplié par 37 moins 1 plus 1, il conclut à x modulo 67. Cela implique que x puissance 25 multiplié par 37 moins 1 plus 1 c'est 0, il conclut à x modulo 67. Bon, cela implique x puissance 25 le plus puissance 37 est congru à x modulo 67. Et comme x puissance 25 et comme x est sur le signe de E, de F, alors x puissance 25 est congru à 3 modulo 67. Cela implique que 3 puissance 37 est congru à x modulo 66. Cela implique qu'il existe un L appartenant à N, ou bien Z, tel que 3 puissance 37 est égal à x plus 67 L. Bon, cela implique que x est égal à 3 puissance 37 moins 67 L, qui est égal à 3 puissance
3 puissance 6 plus 67 multiplié par moins L. Cela implique que X, bon, d'après cette égalité, il convient 30 à 3 puissance 37 modulo 67. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, 4. La question 4. Soit x appartient à n. Soit x appartient à n. Tel que x est congru à 3 modulo 37, à 3 puissance 37 modulo 67. Bon, maintenant, montrons que x est solution de f. C'est-à-dire, montrons que x puissance 25 est congru à 3 modulo 67. Voilà. Bon. On a x est congru à 3 modulo 60, pardon, à 3 modulo 37. Il est congru à 3 puissance 37 modulo 67. Cela implique que x puissance 25 est congru à 3 modulo 3, est congru à 3 puissance 37. Multiple puissance 25, modulo 67. Bon, cela implique que x puissance 25 est congru à 3 puissance 37 multiplié par 25 modulo 67. Et comme 25 multiplié par 37 moins 66 multiplié par 14 est égal à 1. Alors, 25 multiplié par 37 est égal à 1 plus 66 multiplié par 14. Donc, cela implique x puissance 25 qui est congru à 3. On va remplacer 25 multiplié par 37 par 1 plus 67. Bon, 67 multiplié par 14 plus 1 multiplié 67. Bon, cela implique x puissance 25 est congru à 3 modulo 66 puissance 14 multiplié par 3 modulo 67. Bon. On a 3, 67 est égal à 1. Car tous les plus de 100 premiers. Et 67 ne divise pas 3. Donc, 67 ne divise pas 3. Et comme
est comme 67. Le premier d'après le théorème. Le fermant. Puissance 67 moins 1, il est congru à 1 modulu 67, cela implique que 3 puissance par 1 66, il est congru à 1 modulu 67. Bon, cela implique que 3 puissance 67 plus 2 puissance 14 est congru à 1 puissance 14 modulo 67. Donc, x puissance 25, il est congru. Bon, 3 puissance 66 sur 2 puissance 14 est congru à 1 modulo 67. Donc, 1 multiplié par 3, modulo 67. Cela implique que x puissance 25 est congru à 3 modulo 67. Alors, x est une solution de f. Donc la réciproque est vraie. Maintenant, 5. On va résoudre l'équation f. 5. Résolvons l'équation f. Bon. D'après la question 3, bon, d'après la question d'après la question 3, x solution de f implique x est congru à 3 puissance 37 modulo 67 et d'après 4, si x est congru à 3 puissance 37, modulo 67 implique x solution de f. Donc, la réciproque de f est vraie. Donc, on déduit que x est solution de f est équivalent à x est congru à 3 modulo 37, bon, à 3 puissance 37 modulo 67. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation f i s est égal à l'ensemble. Bon, ici x est congru à 37 modulo 6, c'est-à-dire qu'il existe un cas tel que x est égal à 3 puissance 37 plus 66k. Donc, est égal à 66k plus 3 puissance 37 avec, on va résoudre dans n, donc avec appartenant à
quelqu'un pour son haine. Bon, il y a certaines valeurs du cas, certaines valeurs du cas qui sont négatives et cette quantité appartenant à N. Mais on veut la résoudre dans N, donc on va prendre dans le cas appartenant à N. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.